Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, cette nouvelle série sur Homme de Total War, dans lequel nous allons incarner, mais ils sont où? Là! Je crois les Roxolans. Attendez, je vérifie. Victoire Roxolane, c'est ça. On va jouer les Roxolans, donc plus 3. Plus 3 d'emplacement de recrutement des armées dans les provinces au départ. Ouais. Ah oui, c'est pas mal, hein, plus 3 quand même, ça va vite. 50% de revenus provenant du pillage et des mises à sac. Plus 1% d'attaque de mêlée dure, en mêlée. Ok. Un matériel, ok. Et plus 15% de richesse grâce aux bâtiments commerciaux. Oh, ça me rappelle un petit peu Sabah, ça. Ça me rappelle Sabah et nos revenus absolument démentiels. Il n'avait aucun sens, hein, les revenus avec Sabah. Et Sabah d'ailleurs, j'ai regardé là, parce que j'ai fini ça tout à l'heure. Je l'ai fait en 12 vidéos. Ça a été rapide, hein. Et elles étaient assez courtes en plus. Ça a été comment on appelle ça? Une campagne. Oui, voilà, une campagne assez rapide, hein. Et non, j'ai fait une blitzkrieg avec Sabah, quoi. Allez, ça commence l'hiver, hein, super. Y a rien. Y a rien de rien. Bon, enclos parce qu'on n'a pas trop le choix de partir sur les gros troupeaux et troupeaux royales. Hein. Je suppose que j'ai un agent quelque part. Mazis, j'ai des troupes là-bas. Ok. Oh la vache. Même sang, même sang, même sang, même sang. Ah, on s'entend pas bien avec eux. Oh. Quel dommage. Coucou. Dis-moi que tu voles un peu de nourriture, toi, s'il te plaît. Oh, plus un de nourriture volée. Oh, oui, 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 j'aime bien. Oh, j'adore. Oh, oui. Alors. Tu n'es pas marié. Marie-toi. On va commencer par ça. Toi, marie-toi également dès que t'auras. Voilà, un mari. Dès que t'auras été augmenté, je veux dire. Je cherchais à voir quoi. Je cherchais à voir quelque chose dans ça. Ah oui. Les Roxolans. Ok. Ok, ok, ok. Très, très bien. On va recruter quelques troupes. Hein. Rien de bien méchant. Oh la vache. Ça, ça me sert à rien du tout. Ça dégage. Ça, c'est bien. Et voilà. Hein. J'ai pas vu mes objectifs d'histoire. Je suppose que je dois piller. Ouais, mais pillage, pillage. Hein. Italie, oh, allez. En plus, les territoires qu'il faut prendre sont absolument infects. C'est dommage. Vraiment pas fan. Hein. Mais bon. C'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Oui. Je vais voir si je peux partir au sud et faire une conquête. Des conquêtes au sud, on va pas s'embêter en début de partie, ça sera plus simple. Hop. On va y aller un petit peu à la barbare, hein, je pense, sur cette... sur cette run. Oh. Oh, oh, oh. Oui, ils veulent encore plus de nourriture. Mais. Bon, là, ils recrutent. Ils sachent, comme on dit, ils sachent. Hop. Est-ce que je peux recruter un... Oui. Un champion qui aide à l'amélioration de nos troupes, parce que bon, bah, nos troupes sont un peu... Voilà, c'est vraiment de la troupe de base. Hein. La basique de chez basique. Cavalerie à distance, mais pas plus basique. Troupes recrutées, construction terminée, ouais, ok, très bien, ça nous fait plus de revenus, mais toujours pas assez, forcément. Voilà.
Il meurt pas de faim, quel dommage. Et oui, tu vois, tiens. Hop, putain. Ah, on traînait un peu quand même. Alors, il fait 31 degrés. On prend que mon PC, il a chaud là. 31 degrés. Ouais, sous les toits, c'est pas forcément. Oh, gousi gousi, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Dis donc, on est fait pour s'entendre, toi et moi, on a les mêmes idées. Non, c'est pas ça. Allez, ah bah il meurt de faim en plus. C'est impeccable. Alors. Voyons voir. C'est là où il faut être bon. Voilà, troupeau royal. Et à partir de là, on aura les meilleures unités. On n'aura pas l'argent, mais on aura les meilleures unités. Ici. Hop. J'essaie de m'entendre bien avec les autres factions quand même. Surtout lui. Il est pas bien avec les bastards, tiens, Axel. Non? Bah non. Voilà, lui il arrive pour l'entraînement. C'est vrai qu'il va falloir que je recrute un deuxième là pour toujours ce succès avec les agents. C'est dingue. Ah bah super. Ah merde, c'est mon allié. Ah putain, ce serait con en plus qu'il ait des problèmes. Ouais, ce serait pas cool pour lui. Oula, mais il n'y a plus grand monde chez vous les gars. Bon, ça me permet de me mettre un petit peu d'argent de côté, c'est pas plus mal. Le fait d'attendre un petit peu à Sarai. Voilà, ils n'ont pas le choix que tenter une sortie. Évidemment, on les cueille à la sortie de leur village. Leur ville. Bon, on occupe les mêmes. On est du même sang. En début de partie, on va pas s'enquiquiner, on occupe. Commandant. Ok. Et toi, tu vas aller maintenant là-bas chez les massagettes. Ok, ah bah. Oui, bah oui, forcément. Plus faire ça, on n'a pas besoin d'avoir de doublons. Ce n'est pas très intéressant. Et ouais, l'ordre public là qui remonte. Allez. On les prévient quand même qu'on arrive, on est beau jeu. On leur voit de la nourriture, faut pas déconner non plus. On va recruter une petite troupe là juste au cas où. Petit gars là. Ah, c'est déjà l'automne, eh bien. Oui, j'ai le mode aussi, comme d'habitude, 12 tours par année. Hein. Je m'enquiquine pas avec ça. 12? Ouais, je crois 12 ou 8, oh, je sais plus. Enfin, beaucoup plus de tours par année. On va perdre la bouffe. Non, ok, très bien. J'aimerais bien le... adopter, c'est pas grave. Je lui vole apparemment suffisamment de nourriture. Là, je fais une embuscade, on a vu qu'il y avait du monde. Ouais, alors ça, c'est non.
Il veut pas, c'est pas grave, c'est son problème. Ah! J'ai été détecté. Ok. Ok. Ouais, pas plus intéressant que ça. Là, c'est pareil, ça. Ah, si, quand même. Les unités au corps à corps. Oui. Groupement des artisans. Allez, ça part là-dessus. Hein. Ah, je vais zapper. Après, les unités à distance, elles me serviront. Elles seront amplement suffisantes. Je pense. Ouais, bon, les massages, ils sont passés. On sait pas trop comment, mais ils sont passés. Ouais, y a personne, c'est bon. Merde. Pardon? Je me mets perdant? Ah non, je préfère ça, agressif. Allez, hop, putain. Non, Pipa, on occupe pacifiquement. Actaou, bon bah comme d'hab. Hop. Voilà, et direction 4. Sauf s'ils veulent être copains avec moi, mais bon. Ça m'étonnerait. On ira sur les Dai. Voilà, là, ça devrait défendre comme il faut, je suppose. Attention quand même. On jettera un œil au cas où. Les archers, est-ce que la cavalerie légère est considérée comme des archers? Parce que pour moi, oui, mais. C'est cavalerie légère, ouais, mais bon. Je vais prendre ça, on verra après. Et. Oui, ça c'est très bien. Hein. Moins que ça. Ouais. On va faire ça. Il y a pas des gens par là, là, ils sont passés où? Ils sont remontés également. Ok. Bon, ils font des trucs bizarres. Regardez, je sais pas, c'est pareil. Voilà. Hein. Attends, mais il était tout seul. Je l'ai vu tout seul. Ah, c'est chelou, hein. Faire quelques esclaves. Ah non, c'est le mien. Ah. Ouais, wow. Tiens, ça passe ou pas? Oui. Hop là, plus de massagette. Voilà, très bien. On y va. Je pourrais vous aider plus. Comment puis-je vous aider? Les ombres sont des amis. On y va. Allez, on va voir ce qui va se passer ici. Ah voilà, ça y est, il accepte, enfin, il a compris lui. Il a mis du temps, mais il a fini par comprendre. Il est vraiment loin de la détente. Hop, et puis on va s'avancer tranquillou. Oh oui, il perd de la nourriture. C'est la famine chez lui. Impeccable. Ok, personne. Ah si, je peux adopter. Ah bah impeccable, voilà. Bienvenue dans la famille les gars.
Non. Hop, merci pour les revenus supplémentaires. On s'avance tranquillou. Il y a encore des pertes. Entourage grandi, ok, ça me va. Des unités à distance. Amélioration des unités à distance, je vais pas dire non. Encore plus de... Putain, moins 2 d'autorité là, vache. Ok. La corruption, c'est clair qu'on est riche. On peut se le permettre. Honorez-moi, si c'est votre devoir. Allez, avançons, tranquillou. Voilà, bonjour. Oula. Merci, merci. J'ai quoi? Je préfère ça. Ah oui, ils sont là, ok. On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Nord ou sud? Ils ont deux choix. C'est vers chez moi. C'est pas étonnant, c'est pas très grave. Hop. Il y a deux boucliers, on a un sur le dos. Ils sont mal armés en bouclier. Allez hop. Je pense que ça suffira en esclave. Du moins pour un petit temps. Ils émergent classe, ensuite ils émergent déjà quoi. Allez, voilà. J'ai dit que ça suffirait, j'étais un peu plus gourmand. Ouais. Allez, allez, coucou les gars. Ah ouais, de la bouffe. Parce que... En vrai, ça m'emportera toujours un petit peu avec le bétail. Ça me permet de recruter une majorité des unités. Et là on va continuer nos conquêtes. Direction 4. De toute façon, il n'y a que 4 Amou là, normalement. Ouais, il n'y a que ça. Je sais pas, on n'a pas la... Ouais, si, si, c'est bien des nomades, hein. Je sais pas pourquoi on... il y a tant de présence culturelle en orientale qui augmente. Tradition locale, ok, d'accord. Bon, on va dire. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Oh. Taux de recherche, je vais pas dire non. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je vais ramener Actaou, faction détruite, Galati. Ok. Et recruter de nouveaux archers à cheval. On va prendre la version améliorée. On va se rapprocher tranquillou. Est-ce que ça a faim? Oh oui, ça a faim. Oh, ça c'est bon ça.
côté. Hein. On a toujours besoin en fin de partie, de toute façon, de nouveaux membres de la famille. Alors, on va juste... Ouais. On va vérifier qu'on puisse pas faire d'autres constructions. Ce serait dommage de passer à côté. Ah! Ah, mais c'est cher. On va commencer par ça. On fera des nobles un peu plus tard. Ok, allez hop. On avance, hein. Allez, les partes. Bien, les partes avec qui il faudra que je fasse une partie aussi. Bah, sans jeu de mots. Allez, on relâche. Besoin de pied, on a la même culture. Voilà. Ouais, on va faire ça. Les partes qui sont là. Oh, merve. Qui est tombé aux mains de la Bactrie. Ok. C'est bon à savoir. Amul. Peut-être changer là quand même. Bon bah apparemment on devra aller prendre Nisa. C'est dommage, je sais pas ce que je voulais de base, mais. Ça fait partie de quelle province, Nisa? Ouais, la partie en plus. Oh, tout ça. Oh la vache! Ouais, mais ils sont bien en plus. Ça m'intéresse pas plus que ça, en vrai, d'aller les embêter, eux. Moi, j'ai envie d'aller embêter la Bactrie, moi, pas. La vache, ils sont bien étendus, la Bactrie. Bon, on va garder un espion ici. On va voir ce que ça va faire. Hop, bienvenue dans la famille, toi aussi. Welcome to the family. My family. Tirac, ok. Oups, là. Et puis une fois de trop. On a déjà recruté eux, la vache. Bon. On va envoyer là. 4. On va recruter un autre. Ça va pas coûter le même prix hein, par contre. Hein. Clairement ça va pas être pareil du tout. Et ouais bon on va aller. On va aller en Bactrie. On va prendre Bukhara, Marakanda tranquillement. On va conquérir vraiment gentiment. Enfin pas forcément gentiment, mais on va conquérir quoi. Ouais. Ouais, moi je comprends le passage, il est pas terrible. Voilà. On va conquérir pour se faire du pognon aussi. Plus de population. Ici. Ah, moi j'ai plus d'argent. Ouais, les troupes là que je lève à 4, ce sera des troupes pour défendre contre la partie et le reste. Je vais aller sur la Bactrie. Hop, là on va faire un puits. Ouais, c'est des puits nomades, t'inquiète. Faut pas trop se poser de questions. Les puits nous suivent en fait. C'est une techno. T'inquiète. Alors, est-ce que je le débloque ça?
Voilà. Ah ouais, ah, ça fait cher quand même. Je vais voir pour faire cette techno, mais. Pas de m'en aveugle. Allez, avec son bocard. Ah, bien évidemment. On rase. On arrive dans les. Oh, attends, c'est ma culture là? Oh merde! J'aurais pas pensé. On l'envoyait là, lui. Juste histoire de. De piller un coup. Voilà. De se faire un peu d'argent. On va voir ce qu'il faut ici. Voilà. Direction Marakanda ensuite. Ah, je pensais pas qu'on avait la culture dominante à Bukhara. J'ai pas totalement compris, je vous avoue là. Négocier. Ah merde. Oh, c'est con ça. C'était bien quand il se tapait dessus. Non, non, bon, bah on va occuper, hein, vu que. On va juste changer les bâtiments, mais. Non. Ah! On va se méfier ici, quand même. Hop. Voilà, notre petit pillage. C'est bien, en plus, ça fait de l'expérience à mon roi. Demander de plus. Hop, cela. Voilà. Comment puis-je vous assister? Son expérience, là, il y a quelques troupes quand même. On va se méfier. Oh, je vais. Ça va être limite au niveau argent. C'est ce que je viens de voir. Ouais, là, bon. Putain, une troisième armée, là. Ça fait beaucoup, trois quand même. Oh, allez les stopper, hein. De toute façon. Vu la valeur de mes troupes là, va falloir qu'ils soient bons pour m'arrêter. On va féliciter, on s'en fout. Hop, tiens, toi, bienvenue chez nous. C'est bien, on a plein de personnages là. Hop. Ça reconstruit. Ou pas. C'est bien, merci de m'entraîner. L'ordre public, il va descendre un peu par contre à force de se faire piller. Peut-être avoir quelques petits soucis à force. Allez, on s'en nous. Ah ouais? Oh, très bien. Impeccable. Bon, je perds un peu d'or par tour, ça ira mieux là. Quand ça m'appartiendra. Oh, regardez. Ah, c'est ballot. Okay. Oh, les deux là. Oh, bref. Oh, c'est ballot. En tout cas, merci beaucoup de venir pour remplir de nouveau nos coffres. Coucou. Raiden Kuktan. Exactement. Non, c'est peut-être pas ça d'ailleurs, je me suis peut-être trompé dans les. Dans ce que j'ai entendu. Un pec. Oui. Merci. Exactement, merci d'avoir rempli mes coffres qui commençaient à être légèrement vides. On reprend la route, hein. Les gars ici, vous êtes peu. Bah, on fait une petite embuscade. Oh zut, vous n'arrivez pas à passer le fleuve. Oh, c'est ballot quand même. Oh là là. Je commencerai
presque triste pour vous, quoi. Bon, ils sont un peu plus nombreux, par contre. J'aime pas trop. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Ça, et ça, et ça. Bon, il y avait qui, là? On va faire ça. Un pillage. Ça. Je sais pas qui je libère. Ah, ah, je leur ai tapé dessus à eux. Ça reste des frères de sang. Ouais, bah oui. Oh. Écoutez, petit commerce, un petit accord. Petit peu de commerce, les gars. Je vais vous faire payer ou pas? Oui. Pas vous faire trop payer, mais je peux vous faire payer quand même. Impeccable. Non, mais c'est bien. Comme ça, eux, ils sont tranquilles. Eux, là. Bon, je pense pas qu'ils puissent venir m'embêter là jusque-là. C'est très bien, c'est très très bien, même. Il me faut un peu plus d'or. Ah. Je fais pas beaucoup de marche par tour, hein. On va quand même voir que là je fais 154 d'or par tour. C'est pas la même qu'avec Saba. Ah, alors là. Ah putain, il est en train de courir là-bas lui. Ok, fertilisation. Ouais, je vais lui courir après. Hein. 12, on est, ils sont 18. Là on va s'avancer. Je pense qu'il va peut-être vouloir passer un petit peu. En attendant. Ah, c'est gentil de se mettre là. Ça me permet moi de récupérer Bactra tranquillou. Avec moins de pertes. Moi je prendrais à pied. 2005. On va accepter. Le pillage et on va faire le rasage. C'est pas très bon pour l'ordre public, mais ça va surtout être bon là pour pouvoir recruter des troupes, on sait jamais. Là. C'est moi ça? Ah non, je me disais, c'est bizarre. Hop, c'est lequel déjà? Ça? Non, ça? Oui. Oh, on fait une petite retraite, hein. Là, même s'il revient, en soi, au niveau des unités à distance, on n'est pas trop mal. Hein. On a peut-être dû jouer la première manuelle, parce que j'aurais fait plus de pertes que... J'aurais fait pas mal de pertes. J'ai pas été bon, là, j'aurais dû la jouer en manuelle, la première. Ah, autant pour moi. C'est pas grave. Hop, on est que des archers à distance, des unités à distance, impeccable. Allez hop, on s'avance. Le but c'est de s'avancer le plus et de reculer dès qu'on est à portée de tir. De faire en sorte qu'on soit pas à portée, qu'il soit pas à portée de tir. Par contre, ils avancent vite. Ils avancent vraiment vite, j'aime pas ça. Ils ont moins de portée, donc le but c'est de jouer sur la portée. Ah, il va accrocher mes unités, lui, il est sûr. Il est sûr de sa connerie, là. En avant.
Il était pas sûr de sa connerie. Au final, il s'est dit, c'est peut-être pas ouf. On va regrouper nos unités. Voilà, simplement pour avoir plus d'unités balance projectile. Bah oui. Et là, il se dit, ah, bah c'est con. Il dit, mince, c'est ballot. Ils ont plus d'unités. Bah oui, on a plus d'unités là. Hop. Là, on est bien. Là, on est bien aussi. Hop, on va se décaler là-bas. Le but, c'est d'avoir toujours un maximum d'unités qui font feu. Là, mine de rien, on est passé en supériorité numérique au niveau de l'équilibre des forces. Hein. Regardez, ils ont plus que ça. Hein. Enfin, ils ont encore quelques unités là qui se baladent. Hein. Mais beaucoup moins. Donc, on va agrandir à peine. Voilà, le front. Bon, le seul hic, c'est qu'on a moins de. Ouah, ce qu'il a plu là-bas. Oh! Ah ouais. On a des unités lourdes, donc bon, on s'épuise assez facilement, mais. Ah ah ah, faut reculer. Faut reculer, il y a ces unités de frondeurs qui nous embêtent. Les frondeurs, par contre, là, ça fait mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois unités. Je vais faire le tour là-bas. Et je vais tout simplement aller chercher les frondeurs avec eux. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Non, on va pas se compliquer la vie. Hein. C'est, tu veux jouer, bah tu vas perdre. Un petit raptor escarmouche, je mets les escarmouches, voilà. Et là, ces unités, bah, elles vont pas faire grand-chose. Hein. Elles vont surtout être occupées à fuir. Hop, je demande à tout le monde là de faire feu avant monter. Non, vous arrêtez pas les gars, vous arrêtez pas. Là, bah ça, bah là, ça fait mal. Hein. En plus, on est en escarmouche, donc j'ai même pas besoin de les. Hop, là, je retire le mode garde que j'avais mis. Si je pouvais me placer par là, ça m'irait un peu mieux. Est-ce qu'il y a moyen? On dirait pas. Bon. Hop, les charges, bah, elles font mal. Hein. On a de la cavalerie lourde. Hein. Là, je vais juste demander à ne pas tirer. Et de subir plus de pertes qu'autre chose, ce serait un peu dommage. Ouais, ça se passe bien. Hein? Oups. Excusez-moi, je. Je vous ai manqué. Oh! Oh bah! Regardez qui y a là! Allez, on accélère. Voilà. Bon, alors, par contre. Tu viens me refaire chier. Bien sûr que je vais te dégommer. T'abuses. Ah, pour se rebarrer en plus, putain. Vous êtes de la cavalerie, vous? Ah ouais, c'est de la cavalerie. Oh merde, ah, c'est même de la cavalerie noble. Lance projectile, allez hop. Chut. Très lourde, allez hop, allez. Corps à corps, là. Ah oui, mais... On n'est pas assez rapide, mais c'est une belle victoire. Je trouve que c'est une très belle victoire. Pas besoin de plus. Alors on a des bonnes unités quand même à distance. Hein. C'est pas la meilleure. Mais bon, on a tellement accès à, on a accès à ces unités tellement tôt dans la partie qu'il faut les utiliser. Hein. Bon là, je sais qu'on a besoin de thunes. Et surtout, bah les partes. Qui sont un peu déçus.
Hop, merci d'être passé. Tiens, voilà. Je vais en renvoyer des gens là. Oh, je pose la question, on sait jamais, hein. Allez, on va essayer de s'approcher. Ouais, je manque peut-être un pouillat de pognon là. On va les piller à côté là, on va refaire des provisions. Hop là. 2000, on a de quoi réparer, réparer ici, non? Ouais, voilà, très bien. Pas besoin de beaucoup plus. Si l'ordre public il va remonter. Là il est bon. Là, on est bien. Ah, encore le Bactri ici. Ok. Oh, Artakona, ok. Ouais, oh, ok. C'est de voir avec qui on s'entend bien, mal. En gros, son merdo. En gros, c'est pas terrible, terrible le niveau de l'entente avec les autres. Mais il y a pire. On va essayer de prendre Nisa là, ce tour. Alors qu'on se méfie de Merve. Ça reste quand même un endroit où nos ennemis peuvent passer plus facilement. Mais c'est pas nous qui le gérons. J'ai pas forcément confiance en mes alliés. J'ai même rarement confiance en mes alliés. On occupe. Alors on pille. Et. Bon, et on rasera. On repillera et on re-rasera. Alors, on va ici, hein. De toute façon, il n'y a pas. Voilà. Hein. Ça va partir là-bas. On continue un peu de les affaiblir. Oh non, même, tu sais quoi, on va prendre tout simplement, on va pas s'embêter. Hein. Oh, de l'or. On va faire une mine. Enfin, des mines. Pas encore. Ça viendra, quoique, ça viendra ou pas d'ailleurs. Peut-être pas. Ah oui, ils pourront peut-être passer par là. Peut-être falloir me faire attention ici. Ok. Merci. Bon. On rase. Oh lâche. Il y a eu de la montée de niveau. Hop, on va faire ça. Très bien. C'est quoi ça? Ok. On va se méfier. Je vais avancer, mais tranquillement. Je sais pas trop ce qu'ils vont vouloir faire, donc. Méfiance, méfiance à ce niveau-là. Hop, ici, vous pouvez retourner là-bas, les gars. Oh, j'ai pas besoin de plus. Oh! Ça, c'est bien. Plus de portée de tir pour la cavalerie. On va pas dire non. Non. Alors là, ici, par contre, on dit non. Ah. Bon, il meurt de faim, là. C'était prévisible. Voilà, embuscade. On prend du pognon. C'est très bien. Oui. Pillage. Et là, on regarde à... Ouais, non, ça on garde. Et on rase. Et voilà. C'était la dernière ville des Parthes. De la Bactrie, je veux dire. Oula.
Je dis des bêtises. Allez, partons, pris cette ville. Ouais. C'est pas bon qu'ils aient pris cet emplacement en vrai. Ouais, ils m'embêtent. Après, ils sont totalement isolés. Je sais pas qui c'est ça. Ouais. Oh, je peux peut-être aller prendre Drakkarta en vrai. Peut-être pas ce tour-là parce qu'on va avoir un petit souci de l'ordre public. Ouais, Artakoana, ouais, c'est leur capitale, ok. Donc là, il va falloir faire attention. Ah ouais, j'ai tant de pertes que ça. Sérieusement. Je vais la jouer en manuel, mais ce sera pour le prochain épisode. Alors, moi, je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob. Ciao!